Bonjour et bienvenue chez Dalival. On est sur une parcelle ici expérimentale de chez Dalival IFO avec deux variétés de la gamme Kissabelle, deux variétés à chair rouge, une jaune à chair rouge rosée et une rouge à chair rouge. On a ici un essai porte-greffe avec cinq porte-greffes différents. On est en condition de sol très sablonneuse, plutôt pauvre, en replantation. Et donc ça nous permet de voir un peu toutes les nouvelles générations de porte-greffes, voir un peu ce que ça peut apporter en termes de vigueur et de mise à fruit. Le premier qui est devant nous ici, c'est le G935, c'est le plus vigoureux dans la gamme dans cet essai ici, qui vient de Cornell Geneva, qui apporte un niveau de vigueur supérieur au M26 mais inférieur au M106. Donc on est sur vraiment des niveaux de vigueur importants. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de repercements sur le haut des arbres et également des vigueurs qui sont vraiment importantes, quoi. On se retrouve ici sur la gamme du M200, donc un porte-greffe qui vient de la station de Dismaling en Angleterre, qui apporte là aussi des niveaux de vigueur supérieurs à la gamme des 9 actuelles, notamment sur le haut des arbres. On peut voir ici sur les forts repercements qu'on peut avoir et des niveaux de vigueur qui sont de 25 à 30% supérieurs à la gamme des 9 actuelles. Donc même chose dans les conditions de sol. Difficile sur des variétés aussi manquant de vigueur et ou en replantation, c'est un porte-greffe qui est particulièrement intéressant. On diminue donc un peu en vigueur par rapport au 935 qu'on a pu voir juste avant. On arrive sur la gamme G11, donc là aussi de Cornell Geneva, avec des niveaux de vigueur supérieurs de 15 à 25% par rapport à la gamme des M9 actuelles. Le gros avantage de ce porte-greffe, c'est que ça permet notamment de sortir beaucoup plus de branches sur l'ensemble des troncs ici. Vous voyez qu'il y a des sorties de branches qui sont très régulières et aussi également d'avoir des angles de branches très très ouverts, ce qui permet d'assurer et du calibre et de la coloration pour l'ensemble de nos variétés. Alors c'est vrai sur cette gamme variétale-là, mais également sur les... On le retrouve bien aussi hein, sur l'autre variété à côté, donc beaucoup de repercements et des niveaux de vigueur qui sont supérieurs à la gamme des 9 actuelles. L'intérêt principal du G11, au-delà de la vigueur qui est supérieure à la gamme des M9 actuelles, c'est effectivement des tolérances aux fatigues de sol. Donc là, c'est particulièrement intéressant, et spécialement dans des sols très sableux comme ici. On retrouve également une tolérance aux feux bactériens, aux phytophthora, et aussi des moindres sensibilités aux pucerons. Et donc au-delà de la vigueur qu'a apporté des sorties de branches et des branches beaucoup plus ouvertes, on se retrouve vraiment avec non seulement plus de fruits par arbre, mais également des calibres et des fruits bien répartis pour colorer sur les branches qui sont forcément mieux exposées avec des angles ouverts sur l'extérieur. On se retrouve ici devant la gamme Pajam 2, qui apporte dans la gamme des 9 aujourd'hui une vigueur supérieure au Pajam 1 et NAKB qu'on va retrouver tout en bas de la parcelle. Donc on voit bien qu'on arrive avec du Pajam 2 péniblement en haut du fil de fêtage, enfin du filet paragrêle, et qu'on se retrouve surtout avec moins de sorties de branches que sur le G11. Et notamment des parties ici qui peuvent être un peu moins fournies effectivement en branches sur la partie supérieure. On retrouve ici le NAKB donc, qui est le plus faible dans la gamme des M9. Donc on voit bien qu'en situation de replantation, on n'arrive pas encore sur une hauteur d'arbre pleine. Hein. Et donc avec des branches beaucoup moins garnies, un manque de vigueur clair, comparé effectivement à l'ensemble des autres porte-greffes qu'on a pu voir jusque-là. Même chose sur l'autre variété ici en rouge à chair rouge.